Christophe Piton, vous allez présenter Prince de la Barre dans le 15 et samedi à Auteuil. Le cheval a été arrêté pour sa rentrée. Oui, il a fait sa rentrée à Auteuil. Il a reçu un gros coup de tampon à l'avant-dernière obstacle ligne d'en face. Et il a été très gêné pour sauter l'obstacle d'ailleurs. Et du coup, le cheval, ça l'a démotivé. Et puis le jockey l'a arrêté parce que ça lui a coupé le souffle, en fait. Donc, là, il doit recourir cette course-là à Auteuil. Hein, voilà. Donc, c'est un lot, peut-être pas pour gagner, mais au moins prendre une place, je pense. D'accord. Et ça va pas lui manquer, le fait qu'il n'ait pas fini son parcours la dernière fois, autrement? Non, ça l'a avancé dans le travail. Donc, il se prépare de course en course, ce cheval-là. Donc, il va être mieux que l'autre fois. Voilà. D'accord. Et le steeple d'Auteuil, c'est quelque chose qu'il a déjà gagné là-bas, il n'y a pas de problème. Ouais, le steeple, il affectionne plus le steeple que les. Donc, d'accord. Voilà. Et je mis dessus le petit Zugani qui coûte déjà qu'à gagner avec. Donc, d'accord. Terrain lourd, courte distance, tout ça, ça ne le dérange pas. Hein. Oui, terrain lourd, ça lui convient bien. Mais collant, non. Si c'est collant, ça ne va pas le convenir, par contre. D'accord. Voilà. Donc il faut pas que ça ressèche un peu, quoi, voilà. Voilà, faut pas qu'il tombe dans du collant, voilà. Et la courte distance lui correspond bien aussi. Hein, ah oui, ça va pas le déranger du tout.